Nous jeudi à lundi 13 août 2018. Bonjour tout le monde. Nous comptons rentrer la cabane capable pour première sortie téléjournal pour semaine. Cela d'ores et déjà, on n'a pas souhaité tout le monde passer une excellente semaine. Bien sûr, en compagnie de la télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes principaux points cap gain pour faire essentiel journal pour matin lundi. Une fois qu'on a président République la Jovenel Moïse inauguré samedi 11 d'août passé à une troisième centre germoplasme et de propagation végétale dans la commune Mafrin, département Grand-Anse, pays d'Haïti. C'est mon inauguration qui a déroulé en présence de diverses autorités. Premier ministre nommé agent Henri Seyan fait des paupières libres vendredi 10 d'août là, dans la chambre députée avec un Sénat République là. Mais Seyan va garantir avant longtemps la déposer pièce tout ministre et secrétaire d'État qui a payé pour faire partie du gouvernement liant. Soit-il mois juin, arrivé mois juillet 2018, l'inspection générale police nationale d'Haïti recevoir 129 plaintes contre agents policiers. Parmi plaintes, il y a 7 pour abus d'autorité, 15 pour agression, 1 pour dette et 1 autre pour viol. Commission justice, droit moun ak sécurité publique, chambre député a notre tête collée ak mission Nations Unies kap apye la justice en Haïti, lancé vendredi 10 d'août là, projet mobilisation pour adoption, projet nouveau code pénal, projet nouveau code procédure pénale ak projet loi sur assistance légale là. Voilà, c'est un point ça au camp pilote. N'a pas vite arrêté bien chez nous après tout, mais quelques secondes, tant qu'il ne souple pas déplacer. Merci parce que toujours été branché télévision nationale d'Haïti. N'a pas souhaité tout le monde bienvenue dans l'information. Jacques a déjà annoncé le centre n'a pas démarré pour une fois qu'on a troisième centre germoplasme avec propagation végétale pays d'Haïti a inauguré samedi 11 d'août passé dans la commune Mafran qui trouvait dans le département Grenès pays. Président République la Jovenel Moïse qui inauguré espace ça dans tête collée avec un ministère environnement et un centre qui prend pour capable créer environ 280 jobs permanents dans la commune Mafran. Cette là déjà gagné 3 millions de pieds bois. La donne a sous 4,5 millions diverses qualités de pieds bois autorité au visé planté. Je vous invite à suivre un reportage avec Sabine Joëtienne et Jean-Noël Duverne qui est sous place. À partir du 3e centre germoplasme, c'est environ 13,5 millions de plantules forestières et fruitiers. Haïti a produit chaque année à raison de 4,5 millions de plantules par centre germoplasme. 60% dans yo, c'est pieds bois qui baille fruit. Environ 3 millions de plantules déjà plantées dans l'espace ça. Parmi eux, une grande quantité de moringa benzolive. En même temps, c'est une véritable activité qui crée job dans la zone. Côté ici là dans Mafran, il y a environ 280 emplois permanents. Pour dire une phrase, président, qui était mémorable pour nous dans l'environnement. Pendant mon temps, il faut mettre structure pour l'argent à l'approche de Mounio et puis pour manger à sous table. Environnement, pas moins une structure, ça. Centre de germoplasme, offrir, président, c'est un moyen que nous offrions pour que, même Jean, ingénieur Ligonde, ce deal, plus de 100 millions de dollars américains capables de rentrer dans l'assiette économique pays pour permettre effectivement plus transformation. Est-ce qu'on prend? Moun qui n'a fait usine pour transformer mango en jus, pour transformer goyave en jus, pas de goyave, etc., etc. Pour transformer véritable, pour transformer l'âme, pour transformer orange, etc. Président, vision ça va permettre que vous prenez fier au terme de 4 ans là pour quitter le pouvoir pour dire. Même gens intellectuels yo dit en latin, non diem perdidi, ça veut dire ou pas perdu temps. Rêve président République la Jovenel Moïse gagné pour faire un reboisement en profondeur dans le pays à avancer. Centre germoplasme avec propagation végétale qui inauguré samedi 11 août là dans le département Grand-Anse, fait 3 Moïse mettait sous pied à ministère environnement. Gagné un centre comme ça déjà dans Lévis, Camperin, dans Fondenèg. C'est l'occasion pour le chef de l'État de parler de projet d'administration de l'Anguin pour la commune Mafran. Nous faisons calcul si chaque pied bois, chaque privé bas ou 3 millions de gouttes. Vous avez l'idée de combien de millions de gouttes. Lorsque vous plantez tout pied bois, tout le monde qui est là, qui est bien là, la caillou.
gen moun ki la ki gen pie la ba pen la kayo, gen moun ki la ki gen pie mango la kayo. Nous connaissons les récoltes privées. L'âme n'a tellement produit. Et m'y a une nouvelle qui dit M. Menza, redresse tellement y'a l'âme. L'âme qu'on est arrivé dans le marché, je vais vendre. Ça veut dire, c'est pour me dire nous, avec augmentation, l'âme ça, que sans diamant place ça pour le produit, nous prenons la nécessité, je casse avec la chose dit là et faut me dire. Moi, songe dans la campagne, moi, je ne dis pas que le gouvernement pour installer une usine pour faire transformation là. Moi, je dis que l'État pour faciliter le monde dans le secteur privé dans la grandeur. Qui ont même bien l'idée pour monter une usine de transformation, même je ça a commencé à faire. Il faut me dire que il y a possibilité, si il y a un monde dans la grandeur qui a l'idée pour monter usine transformation produit agricole dans pour l'âme véritable, l'État a des possibilités, je dis, pour Mounsa, pour faciliter à travers le ministère de l'Agriculture, il y a besoin de possibilités de crédit pour monter usine transformation pour l'âme véritable, pas obligé le dans pile récolte, dans pile l'âme véritable, pour l'âme véritable. Obligé pourri ou bien rester dans le marché. Saint-Germain-Plasme, commune Massran, gen la donne, yon centre compostage et préparation médium, yon dépôt outils ak intrant agricole, yon résidence pour cadre ak stagiaire, ak yon grand espace pépinière qui gen environ 8 ombrières pour mettre plantule yo. Merci avec collaboratrice Sabine Jean-Étienne Anke, Jean-Noël Duvernay qui est sous place. Nous avons toujours été dans le même dossier ici là pour nous faire connaître responsable agence nationale et à protéger Jean-Tel Joseph applaudit l'initiative président Retour Végétal dans 10 départements pays. D'après Jean-Tel Joseph, décision ça a pris un gros impact positif sur l'espace végétal et sur diverses variétés d'espèces qui a menacé pour disparaître. Donc toute forêt nous, par exemple forêt des pins, Makaya, et ensemble de zones ça yo, l'État pas arrêté de déclarer air protégé et que nous mêmes nous là pour nous protéger ressources ça yo. Vous capable constater, je dis hein, Haïti bon problème, nous commençons bon carence d'eau. Qui ça fait nous des carence d'eau? C'est parce que n'a coupé pied bois yo qui ba nous sous l'eau, n'a jeté fatra dans rivière yo, nous après utiliser la mer nous en mal dans tout pays sous la terre, la mer yo li servi pour rentrer l'argent, pour rentrer devises pour pays yo, mais nous même nous fait servir de un dépôt trois fatra. C'est ça qui fait nous gain deux types d'air protégé. Nous gain d'abord les airs protégés terrestres et les airs protégés donc dans cadre travail pan jodi an nous gagnons 25 aires protégées déclarées à l'échelle nationale et nous identifions déjà une cinquantaine d'autres zones que nous estimons ça gagne comme réserve biosphère, ça gagne comme biodiversité, ça gagne comme élément de conservation que nous devons conserver et protéger. Donc là, dans quatre missions, nous avons travaillé pour nous renforcer zone nous gagnons pour nous protéger. Nous avons travaillé pour nous assurer nous zone ça une bon couverture végétale acceptable. Cette information dans le journal là, dans l'occasion de rentrer l'école là, président République la Jovenel Moïse a décidé d'accompagner employé l'État. Dans ce sens, employé qui a touché 25 000 gouda qui est piba a joindre 100% salaire. Si là qui a touché plus, parce que 25 000 gouda jusqu'à 46 000 gouda peut recevoir 50% salaire. Et puis 25% pour monde qui touche plus, parce que 46 000 gouda. Nous parlons pour qu'on y ait un parlement haïtien pour nous faire connaître après l'été fin de déposer pièce dans le Sénat. Premier ministre nommé Jean-Haïtien fait dépôt pièce dans la Chambre députée. Secrétaire général de la Chambre députée Guy Gérard Georges confirmé les recevoir en tout 21 pièces dans le Premier ministre nommé
Tout pièce ça, c'est copie parce que le Premier ministre nommé a déjà déposé original dans le Sénat République là. Guy Gérard Georges remet un acquisé réception par le Premier ministre nommé qui pouvait lui déposer toute pièce. N'a pas invité au suivant pour faire des confidences avec Moïse Ulrich. Pour le vœu de la Constitution, de l'article 157, on a l'extrait des archives. Les archives, l'extrait des archives de la mère du père. On a l'extrait des archives de la mère et du grand-père. Okay. L'extrait des actes de mariage. On a. Oui, oui. Alors, s'il y a lieu. Ok. De toute façon, ça va dépendre de la commission. Donc, ça peut arriver que la commission demande des ajouts. Certificat de nationalité. Certificat émis par la Direction générale de l'immigration et de l'immigration. Passeport. Tous les documents de voyage détenus par l'intéressé. Carte d'identification nationale. Matricule fiscale, casier judiciaire, certificat de bonne vie et mœurs, titre de propriété, certificat de résidence, certificat de déclaration définitive d'impôt, certificat de décharge si il a été comptable des deniers publics. Donc c'est pas le cas. Curriculum vitae. Premier ministre nommé Jean-Henri Séan fait connaître déposer toute pièce la loi exigée pour le monde vigne. Premier ministre PIA, M. Séan, bail garanti avant longtemps la peut déposer pièce toute ministre avec secrétaire d'État cap gain pour faire partie du gouvernement liant. Et lui promet pour chita parler à tout secteur dans le cadre de formation prochain gouvernement, si tout parti politique qui représente dans le Parlement haïtien. Concernant la déclaration politique générale, le Premier ministre nommé en fait connaître la paix travail avec président de République là sous préparation. C'est un dit si un ancien ministre qui était dans le gouvernement fait travailler bien, pas aucune raison pour ne pas reconduire. N'a pas vite au suivant un extrait trop dynamique au fait bien confident avec Moïse Ulbrich. Toutes pièces de la loi exigées, nous sommes légalistes, nous sommes avocats avant et je dis un notaire qui gagne, connaît ça la loi dit, qui respecte scrupuleux de la loi, et c'est pour ça, Brentham, une petite question. Vous nous demandez combien ? Toutes pièces. Bon, yo, là, 21, parce qu'il y a des pièces, vous déposez un paquet. Donc, soit déposer passeport, déposer 13. Mbakadine de vos 13 passeports. Travail avec le président Jovenel Alfel depuis le film nommé. Il met à l'aise. Évidemment, la Constitution prévoit. Pourquoi choisir le ministre? Faut chiter le président. Vous n'avez pas oublié. Président Jovenel, vous voyez, c'est lui qui t'a fait campagne. C'est lui-même qui vend vision que vous acheter. Donc, tout ça m'a fait, normalement, faut que moi, en grande consultation avec lui, pour mettre d'accord avec lui. Dans la situation de l'IA, d'ailleurs, tout le monde connaît, moi-même, c'est un rassembleur. Et c'est ça, c'est à ce titre que nous c'est faciliter les relations entre les Haïtiens parce que par une personne qui a porté chahier nous savons. Donc, et d'abord, les partis politiques qui sont représentés au Parlement d'abord, font chita avec eux. Et c'est normal que je chita avec eux parce que chahier là a porté la veine. Il y a séparation des pouvoirs. Il n'y a pas de conflit entre pouvoirs. C'est pour nous rechercher. Pendant que nous avons là, il faut dire pour nous rechercher l'harmonie entre les pouvoirs pour faire payer à marcher. C'est ça. Et pour ça, maintenant, c'est un ancien ministre qui fait travail à la perfection et que le peuple haïtien satisfait de lui, pourquoi ne pas le reconduire? Tout le monde qui va le ministre du secrétaire d'État soumettre nous-mêmes, d'abord, bien sûr, nous allons l'analyser nous-mêmes avant de soumettre au bureau de la Chambre des députés et du Sénat. L'autre information dans le journal là, sorti mois juin, arrivé mois juillet 2018 là, Inspection générale de police nationale d'Haïti recevoir 129 plaintes contre agents policiers. Parmi les plaintes, il y a 7 qui pour abus autorité, 15 pour agression, 1 pour dette, 149 enquêtes. Porte-parole IGPNH l'a fait qu'on a inspection police nationale d'Haïti transféré dossier 11 policiers dans paquet. Jean-Claude Benjamin qui se porte-parole en après IGPNH l'a tenant micro Junior Vicassius avec Fresnel Toussaint. Dans l'acte d'enquête, ça a gagné 280 convocations, 271 auditions, 47 enquêtes de voisinage, 36 confrontations, 19 médiations,
nous avons 7 isolements tout pendant les 2 mois, juin et juillet. En fait, il y a un dossier tout qui sorti dans en fait, une saisine d'office, constatant qu'il y a un rapport externe qui est au nombre de 169, mais là, dit tout qu'il y a 3 policiers qui ont fait demande de recours, c'est-à-dire 3 policiers révoqués et qui écrit inspecteur général en chef pour demander réintégration. Enquête qui était ouverte pour ces différents dossiers, c'est au nombre de 136. Tandis que le rapport d'enquête signé et expédié au directeur général pour les 2 mois, il y a au nombre de 141. Dossier d'enquête qui signé et expédié au directeur général en 2 mois juin, en fait 2 mois janvier à juillet, il y a au nombre de 435. Certaines recommandations qui dans le dossier SAO, par exemple, il y a une recommandation de réprimande, il y a 5. Il y a 8 mises en disponibilité, il y a 66 suspensions, même j'ai tout gagné 53 classements. Classement, je l'ai dit, c'est dos, en fait, c'est plainte que plaignant pour tout le monde, c'est général, pas gagné matière pour poursuivre policier et IGPNH recommandé que le dossier soit classé. Donc, il y a au nombre de 53. Gagné tout 80 avis aux plaignants. Avis au plaignant, c'est lorsque le plaignant vient pour des plaintes, le dossier fin traité, nous faisons le devoir pour nous relayer ou bien pour nous écrire pour nous dire, mais ça qui sorti dans la plainte que le dépôté. Donc au total, il y a 80 avis au plaignant. Nous allons à Minsoline à différents titres, commission justice, droit moun avec sécurité publique, chambre députée. Nous sommes collés avec la mission Nations Unies qui a appuyé la justice en Haïti, lancé vendredi 10 d'août passé à projet mobilisation pour adoption, projet nouveau code pénal, projet nouveau code procédure pénale, projet loi sous assistance légale. La cérémonie s'est là, déroulée en présence représentant ministère justice avec sécurité publique, secteur droit mounan, université parlementaire avec plusieurs anciens premiers ministres. Compte rendu, Rachel Saint-Fort avec Hervé Pierre. Projet ça, comme dirait si moi, visé mobiliser acteurs étatiques, non étatiques et partenaires internationaux pour bâtir un système judiciaire haïtien en outils avec instruments légaux capables d'augmenter la performance magistrale. Ce projet, qui est le fruit d'un partenariat avec le Parlement, se matérialise à une étape charnière de l'histoire de ce pays, étant donné les appels nombreux et incessants venant d'Haïti et d'ailleurs, pour d'une part l'établissement d'une nouvelle dynamique politique, économique, sociale, plus inclusive et plus à même d'adresser les besoins des plus démunis, et d'autre part l'avènement d'une justice fiable, transparente, équitable, accessible à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens. En effet, la société haïtienne plaide pour la mise en place d'une institution judiciaire forte et indépendante qui soit capable de rendre la justice de manière impartiale. Quelles sont les grandes innovations au niveau de l'avant projet du projet de code pénal? J'ai parlé d'enregistrer les diffusions d'images de violence. On a incorporé dans le texte la loi sur le trafic de stupéfiants. Bon, au niveau maintenant du code de procédure pénale, on a apporté des innovations qui sont perceptibles, n'est-ce pas, dans toutes les phases, n'est-ce pas, du processus. D'après explication président de la commission justice Douamoun et sécurité publique, chambre députée, Jean-Marie Forestal, il y a un pile loi qui est ancien. Il est important pour bailler pays un instrument légal qui est adapté à la réalité. Député porte-parole ba garanti semaine k'ap vini en chambre député a ratifié loi sur assistance légale là qui déjà voté dans le Sénat selon ça l'expliqué. Ce projet financé par la MINUSUS et exceptionnellement la FINPAS pour l'exécution facilite à la commission permanente justice de la sécurité publique à la chambre des députés des mécanismes à mettre en branle en vue de la votation. Ce, à la rentrée de la troisième année législative, de cette 50e législature, la votation de ces deux projets de loi, le code pénal, le nouveau code pénal et le nouveau code de procédure pénale.
Si vous savez, la société n'est pas statique. Elle Dortellis family. Le besoin se fait sentir pour que désormais on adapte les instruments légaux haïtiens aux nouvelles réalités sociales haïtiennes. Élaborer un document qui a contribué à renforcement réforme judiciaire et puis politique pénale gouvernement, établir un système contrôle et suivi action gouvernement sous plan pénal pour permettre la population jouir un plus bon système pénal et judiciaire. C'est ensemble résultat initiateur visé à travers projet mobilisation pour adoption projet nouveau code pénal, nouveau code procédure pénale et projet loi sur assistance légale là. Voilà, c'est la journal arrivé dans Boutli, mais juste avant nous aller, nous rappelons ensemble point qui était fait essentiel, le journal là, pour matin, pour une fois qu'on a un président de la République, la Jovenel Moïse, inauguré samedi 11 d'août passé à une troisième centre Jemo Place avec propagation végétale dans la commune Mafran, département dans ce pays. Cérémonie d'inauguration si la hâte est déroulée en présence de diverses autorités. Premier ministre nommé agent Henri Seyan fait des pièces libres vendredi 10 d'août là dans chambre députée à Kenya Sénat République là mettre Seyan ba garantie avant longtemps la déposer pièce tout ministre avec secrétaire d'état pour cap gain pour faire partie du gouvernement hier. Soti mois juin rivé mois juillet 2018 là inspection générale de police nationale d'Haïti recevoir 129 plaintes contre agents policiers parmi plaintes ça yo gagné 7 pour abus d'autorité 15 pour agression yon pour dette avec l'autre là pour viol et puis rejoindre tout de suite après équipe sportive là qu'après gain la donne Jérôme Pierre Gracien Antoine avec Franck Saint-Ville pour retransmission match Paraguay face à Japon et puis 18h30 pour troisième match pays d'Haïti qu'après gain plutôt que connu face à pays l'Allemagne. N'a pas souhaité tout le monde passer une excellente semaine après casser rendez-vous demain matin pour l'autre sortie téléjournal là.